22h, on va dire. Et du coup, coucou tout le monde, bienvenue ici pour l'épisode 6. On se retrouve exactement là où je vous ai quitté, histoire de faire des formats courts, je le répète, mais voilà, les gens, ils n'ont pas forcément le temps de passer 50 ans sur une vidéo. Donc au moins comme ça, ils font des petits bouts tranquillou et ils font ce qu'ils veulent, un peu comme une petite série. Voilà, donc je reprends exactement là. Nous avions ce malade qui était juste ici. Et quelqu'un qu'on a croisé dans les couloirs. Oh, une pile. Déjà je vais recharger. Voilà. Et du coup, ben, on va descendre. Allez. Oh là là. Feu Malward et Malward. What the fuck? La tour des femmes et la tour des hommes. Là, mon putain de cœur. Oh mais. Oh merde. Kiki, elle est là, Kiki. Elle va me remonter le moral. Oh putain. Oh là là. Oh putain! C'est quoi? Y'a quoi? Y'a quoi là? Qu'est-ce que c'est? Y'a un truc là? Je peux aller dans le trou là? Oh, attends. On va faire les choses dans l'ordre. Ouais, évidemment, évidemment, c'était téléphoné ça. Putain. C'était téléphoné ça. T'as vu Kiki là, toute ambiance que j'ai mise là. Bon, j'ai changé la cam de côté. J'aime moins parce que du coup on me voit de moins près. Mais bon, c'était histoire d'avoir l'ambiance avec le jeu. Je me suis mis des petites bougies. Ah putain. Oh oui. Je dis oui. Ici ça s'ouvre. Ici aussi. Oh, mais va te faire foutre. Ah tiens, on a notre copain avec le trou de la bouche. J'espère que t'as pas trop fait de cochonnerie hein, depuis qu'on s'est pas vu hein. Mais c'est pas moi qui vais t'aider. Vas-y, t'as une sale gueule. À dégager. Mais calme-toi. Oh. Oh les passages dans l'eau là. Je sais pas qui fait je crois. Monte. Monte. Ah ok. Je crois que je vais pas aimer dans l'eau. Je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais pas aimer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
sous l'eau peut-être ? On peut passer sous l'eau ? Je suis keblo là. Ah non. Allume, allume. Oh là là, est-ce que j'aime pas ça ? Non mais il y a du bruit derrière moi là. Oh putain. Non, il y a un truc là. Il y a un truc ici. Vite! Ah putain! Je sens pas! Ah putain, j'ai froid dans le dos! Oh putain, il y en a un autre. Oh merde! Je vois pas. Je suis content que vous soyez pas un peu capable de monter. Bonjour. Ça va, t'es pas méchant toi. T'as une sale gueule, hein, mais toi et moi, droit dans les yeux. Bon, ça va, la musique stressante, c'est bon, je suis passé là, y'a plus. Ça va la musique. Putain. Non, pourquoi t'as fait ça? Oh mais merde quoi. Quel connard. Charlie m'a bougé. Je tremble en fait. Je suis en train de trembler. J'ai la main qui tremble. À cache-cache. On joue à cache-cache. Bonjour. Ça va, ils sont pas tous méchants. T'as quand même une matraque, hein. Bon, allez, je continue. Oh là 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 là. Ça va, lui, il m'a pas fait peur. Attends. On va se calmer. Là par contre ça me plaît moins là. Je vais recharger. J'aime pas le gaspillage hein. Mais là la caméra elle a plus trop de piles. Du coup qu'est-ce que ça? C'est juste un peu grave. J'ai pas le choix, ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là, je m'embrouille des pédales. Oh,
Oh, miam. C'est le repas, ça. Alors, voyons, qu'est-ce que ça dit? Les patients savent que le docteur Wernick est mort. L'un d'eux m'a demandé quel genre d'expérience peut faire un docteur mort sur ses patients vivants. C'est quoi? Ouais, ça, c'était tout à l'heure. Je pensais que cet égout pouvait pas puer plus. Des centaines de cadavres entassés dans une salle, des milliers de mouches, c'est ça, la sortie du prêtre. Oh, allez, allez, hop. Oh, oh. J'ai pas trop le choix là. Est-ce que je peux pousser? Quoi? Appuyez longtemps ça. Ok. Bonjour. Avec les bonnes petites traces de quelqu'un qui est déjà passé là. Ouais non. Vas-y, reste allumé, va. Trace de pas là. Trace de pas là. Y'a rien là en fait. C'est quoi cette pièce? Pourquoi y'a une pièce comme ça là? Ok, qu'est-ce que ça dit? Plus j'essaie de me tirer, plus je m'enfonce dans cet endroit de merde. C'est pire qu'une fosse à Purin. Ils torturaient des gens au sous-sol et pas n'importe comment. Les consignes étaient écrites sur les murs. D'abord les doigts, ensuite les couilles, ensuite la langue. Quelqu'un a organisé cette torture, a pendu des destructions. Ok. Je comprends pourquoi c'est l'aile des hommes, hein. On pend par les couilles. Il y a quelqu'un. Vas-y, là, j'y vais. J'y vais pas trop là. Est-ce que ça tient ou ça tient pas? Franchement, est-ce que ça tient ou pas? Arrête, tu connais le jeu, Kiki là. Ou alors c'est parce que moi j'ai peur et que je te transmets mon stress. Oh, c'est fermé. Allez, encore 5 minutes et je coupe l'épisode. Enfin, j'essaye à peu près quoi. Je respecte pas forcément le temps. La première fois que je l'ai regardé, je n'ai pas dormi pendant au moins 3 semaines. Ah ouais! Rien que regarder, et mais jouer c'est pire que regarder. Hein. Oh, de la pile. Oh, la musique. Oh, c'est quoi ça? Oh là, il y a des trucs chelous derrière le rideau là. Hop! Oh, mais ferme là. Eh, calmez-vous, hein. Ça suffit maintenant. Couchez les patients, hein.
Ah bah lui il peut plus parler. Oh, je les aime bien comme ça. Moi je les aime bien comme ça. Allez, un petit dossier. On va lire et puis je vais couper la vidéo pour lancer l'épisode d'après. Alors, compte rendu d'état de patient par Rick Traeger. Ce patient aussi est hélas décédé. J'ai fait de mon mieux, mais je ne suis qu'un médecin pas un faiseur de miracles. Et ce travail de docteur est encore nouveau pour moi. Alors je continue à faire des découvertes. En tout cas, il va falloir que quelqu'un dégraisse ce catastrophique projet Wall Rider. On perd des sommes énormes depuis ce truc a été lancé en l'honneur de ce gamin, ce Billy. Mais j'ai réussi à réduire les effectifs environ plus de 80 personnes. D'où une baisse de la masse salariale à court terme et à long terme. Des économies en retraite et des frais de santé. C'est bien, c'est bien. Et j'ai appris pas mal de choses sur la biologie. Ça n'a pas été facile, mais je peux maintenant affirmer que quelques humains ne peuvent pas vivre sans reins. Oui, en fait, c'était pas... Tu vois, il les a virés, mais... pas comme on le pense, et je pense que il s'est fait plaisir. Wow, wow, wow. Ah ouais, non mais super, la reprise de la musique après la lecture de la lettre, là tu vois, ça te met bien là. Donc, pour le stream, ça ne s'arrête pas. Pour la vidéo, je vais couper donc cet épisode ici, et on va continuer exactement à cet endroit précis. Oh putain, j'avais pas remarqué qu'il y avait une grille ouverte là. Bon, on regardera ça dans le prochain épisode. Du coup, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner si vous appréciez ma petite bouille. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, ben, à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao!